Voilà. Habituelle distribution des messages. Toujours. Du coup, c'est fait. Et du coup, câlin. Voilà. Et du coup, bah, je peux mettre directement le jeu. D'accord. Voilà. Et tu boupes déjà, bravo. Bah oui. J'en profite d'être la première sur le live pour te boop. Généralement, je gagne ça arrive dans les 5 à 10 premières minutes. En gros, il arrive quand il voit l'annonce sur mon Discord, généralement. Faudrait que je le rejoigne un de ces jours sur Discord. C'est toi qui vois, hein. De toute façon il est juste. Il n'est pas très actif et il est surtout là pour partager au moins quand je suis en stream en attendant. Et bah du coup on devait reprendre le vol. C'est ça, je crois bien. Mmh. On allait se faire péter la gueule et exploser et tomber dans une rivière acide. Bonjour, vous deux. Alors, comme ça, vous avez convaincu Tiani. Incroyable. Au fait, les autorités portuaires viennent de nous donner le feu vert pour décoller. Nous allons partir pour Kisiwa. Ah, on peut encore retourner à Denise, ok. Eh ben, qu'ils y vont, nous voilà. Super! Vous n'aurez qu'à reprendre votre couchette. Le trajet prendra tout de même quelques heures, donc vous aurez le temps de faire une petite sieste. Je sais plus si c'est à ce passage-là ou si c'est à celui d'après qu'on se fait attaquer. Normalement, c'est là. Voilà. Alerte! Alerte! Nous sommes attaqués! Ceci n'est pas un exercice! Et je me tiens les côtes comme si j'avais été touché. C'est C'est moi à qui toi ai de le passer. contrôle? Ah oui. Ouais. Attaquer? Attaquer? Mais par qui? Je n'en appelle à moindre idée. Des pirates de l'air, des sacultistes. Ndeira sur un surf volant. Peu importe, aidez-nous, sinon nous sommes tous fichus. Et j'ai eu un petit moment de bug en lisant son expression Ndeira sur un surf volant. On est Je vais motivé. remettre Dendré en première ligne. D'accord, bah moi j'ai gardé coin. Ou attends, non. Rien. Je vais mettre mon lion. Il va bientôt évoluer, je crois. Il est niveau 34 et toi tu l'as eu 35, c'est ça? 35 ou 36, Ah, on se fait attaquer. Du risotto. ouais. Retenez-les encore un peu, il va nous falloir encore une minute. Et du coup, je fais quoi, moi? De toute façon, il est poison celui à gauche, donc je vais directement switcher sur ma tante. Allez, je one shot le scunch. Non, il est plante haut, celui à gauche, Babawa. Il est plein temps?
peux tenter de l'attaquer alors. Mais... Ouais, voilà. Dans tous les cas, c'est pas spécialement efficace. Je vais switcher sur mon tentacle. Bon bah... C'est pas le moment de laisser des bébés se combattre. Oh, ils sont au niveau 30, mais c'est juste que bah là actuellement ils sont surtout pas du bon type. Oh, tu permets? Boucher. Oculus disparaît. Bonjour. Et pouf! La patate. Bastien et Bongo. Bah, je te laisse Baboung. Ouais. On se replie, placez les objets explosifs et regagnez le transport. De mon armée, que nul n'échappe à votre juste fureur. Ce soir, ils sombreront à piquer de haut, à piquer de haut, et que le loin dessous les engloutisse. Mais que serait-ce? Cela se pourrait-il? S'agit-il de cette paysanne des Nizans? Oh, jour béni! Nous allons pouvoir laver un outrage tout en servant les projets du clan Belzotto. Vous et vos pathétiques amis allez contempler le prochain lever de pan soleil depuis le loin dessous. Misérable cloporte, en garde. Je m'amuse beaucoup trop à faire les voix. Ouais, ça s'entend. Bon. Bon ben non Adjani, tu sers à rien ici. Et je vais pas mettre mon Temtem combat contre un truc de type psy donc C'est à toi de jouer coin. Tu veux en focus un en particulier? Je vais surtout me soigner. Bon, bah, dans ce cas-là.
Car bon, les présentations qui me retirent plus de la moitié des PV, ça fait mal. Je vais essayer d'attaquer Calabis, de toute façon ils vont pas pouvoir attaquer. Ou alors ils vont se faire mal. Mais ils vont se faire mal, d'habitude ils réfléchissent pas trop les IA. Oh, il va prendre drift avec Bafounet, je crois. Ah oui! Alors, Voilà, vu c'est qu'il. à mon tour qui va me soigner. Bah, de toute façon, on peut soigner, ils sont obligés de se reposer. Et maintenant, on peut les terminer. Eh oui, je suis immunisé au poison. Alors là, par contre, si je calcule bien, c'est deux temtem type vol et le vol est efficace sur le poison. Cassos! Attends, je vais voir ça rapidement. Alors, vol, c'est efficace contre le sol et le poison seulement. Mais c'est pour ça, comme coin est de type haut poison, il va se prendre la max. Ouais. Le problème de Persa, c'est que j'attaque en dernière de tour. Le tour là, ils perdent et ça se retourne après du coup. Ce tour-ci, les deux vont certainement me foquer avec des attaques vent. Je vais les attaquer et mince. Ok, en vrai, c'est pas plus mal si jamais ça fait un truc de repos. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah ouais. Hello Fighter, comment tu vas? Coucou. Je peux pas l'attaquer Banshee comme une type un psy. Je m'occupe du grand pas. Je vais t'aider à focus grandpa, comme ça on le tue rapidement. Ouais, bon, rapidement, c'est un bien grand mot. Ça va 200, merci. Je serai obligé de se reposer. La vache! Je te laisse terminer, grand-pa. Je fais que la moitié. Je préfère pas prendre risque. Je vais me soigner là, j'ai pas le choix. Voilà, je prends ça aussi. Ok, nice.
Je vais t'aider à focus le Rekan. Donc au pire, toi tu fais un surf. Comme ça, tu le Ouais, j'ai pas bounces. assez. Je crois que je me tue si je fais un surf. Ouais. Ah. Faut que je me re-soigne, moi, si je veux tenir. Vas-y alors. Je termine le barge. Nice, il me focus. Allez, prends ton focus. Après, le Raikan déjà de niveau 35. Vient de passer niveau 39. Mais c'est toujours pas un Raikan. Oui, mon reste, pardon. Nous croisons le fer à nouveau. Vermine de basse extraction. Nous allons vous faire regretter d'avoir à nouveau osé défier notre noble maison. Les jeux sont faits. Profitez bien de votre dernier vol, petit paro aux ailes brisées. Retirez-vous, glorieux marin des hautes éthérées. Vous deux, vous êtes blessés? Non? Je laisse à la grand-mère. Tout le monde va bien? Équipage! Hey, Capitaine, ils ont crevé le ballon, nous perdons de l'altitude. Ah, oh, c'est bien ma veine. C'était trop facile. Ils se sont repliés trop rapidement. Mécano! Je ne peux rien faire, capitaine. Nous perdons de l'altitude. Le Nerval va s'écraser. Par la tempête! Nous n'avons donc pas le choix. Monsieur Matunakanoï, dirigez-vous vers ce rocher là-bas. Capitaine, nous n'arriverons jamais à bon port. Je le sais bien. Contentez-vous d'exécuter mes ordres. Votre attention à tous. Atterrissage d'urgence. Accrochez-vous à quelque chose de solide et tenez bon. Ça ne me dit rien qui vaille. Le sol se rapproche. Attendez, c'est... Narval, préparez-vous à l'impact dans 3, 2, 1... Plouche. Ouf, ma tête. Mais où suis-je? Comment est-ce que j'étais à bord du Narval et nous nous sommes écrasés? Où est-ce que sont passés tous les autres? On est minute, je ne trouve plus mon surf. Et où sont mes patins? Oh non, j'ai perdu, j'ai tout perdu, mes flacons, ma carte, quel désastre! Mais bon, je suis encore en vie. Et pour les autres? Ah, par les courants du tout en haut! Vous deux, vous êtes en un seul morceau? C'est pas l'impression que j'ai, mais apparemment oui. La capitaine! Où est passée la capitaine? Donnez-moi un coup de main, vous deux! Nous devons retrouver les autres, chercher des survivants de ce côté. Moi, j'irai vérifier par là. D'abord Sticker. Sticker qui est en fait une attaque. Sneak un petit C'était dégât en fait une matériel. cité. Un Sticker annulé pendant 4 tours. On voit que dalle, on voit que dalle. Oh, quelqu'un.
Écume, vous êtes vivante. Eh bien, nous l'avons échappé belle. J'ai bien cru que nous allions passer par-dessus le bord et plonger vers le loin dessous. Tout le monde va bien? Les avez-vous tous retrouvés? Moi, je vais bien, ne vous en faites pas pour moi. Allez aider les autres. Sticker. De Voilà l'archipel. la carte. Ouais, donc là en fait ça va surtout être des items qu'on va retrouver. De cas, je fous une osse de mine. Toujours aimable. Toujours. Est-ce que... Est-ce que c'est le loin dessous? Il y a des chances. Objet. Camomille. Non. Immunisé pendant 2 tours. Vous savez que j'aurais jamais dû accepter ce pour l'auteur représentant. Objet. D'abord l'objet, le blessé après. Ah, toujours. Il y a un autre objet là-haut. Ah, plus important. Oh, tu l'as vu de loin celui-là. Et il y en a encore un encore plus haut. Faire le Ah, notre TMSA. fiole. Simulateur de croissance. Ah non! N'essayez pas de me bouger ma jambe. Je crois qu'elle est cassée. Ah ouais, c'est sûr, elle est cassée. Je vais avoir besoin d'un médecin. Ça sert à rien. Je vous en prie, trouvez les capitaines. Nous avons besoin d'elle. Mathieu. Hey, il y avait un objet. Nous n'avons pas le temps de discuter, vous deux. Certains passagers et membres d'équipage manquent encore à l'appel. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Ah oui, c'est là. Si, même plus. De la graisse. Capitaine est là. Là, je vois rien de plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose non plus. Si, en haut. Une carte. Plus. Cool. Pillage. Pas du piège, c'est par terre. C'est les affaires des... Ouais, non, on sait plus à qui c'est en fait. Voilà. En tout cas, la capitaine est là. Allons, nous sommes en vie, c'est tout ce qui compte. J'ai survécu à des crashs bien pires que celui-là. Alors que je n'étais encore que l'apprenti du vieux capitaine Drade. Ah, vous deux, heureux de constater que vous êtes encore en un seul morceau. Mais mon fier dirigeable est en miettes. Que le loin dessous m'emporte. Vous avez trouvé Akhlana? Allez la voir. Je vous retrouve là-bas. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Eh, vous deux, vous croyez aller où comme ça? Revenez, filez-moi un coup de main, nous devons retrouver les autres. Ouais, mais j'essaie de te retrouver dans cette mouillasse. Elle est à droite. Alors, avez-vous trouvé la capitaine? Ah, capitaine, le pan soleil soit loué. Capitaine, vous allez bien? J'ai un peu de mal aux quatre. Mais c'est ma fierté qui en a pris un coup. Voir ce bon vieux naval dans un tel état. Nous devons sortir d'ici, capitaine. Trouver un endroit plus sûr ou... Regardez autour de vous, officiers en second. Des membres d'équipage sont blessés. Klana ne pourra pas être déplacé dans son état actuel. Et mon navigateur reste introuvable.
Kemal. Mathieu. Vous deux, l'avez-vous vu quelque part? Non, il a disparu. Nous devons trouver de l'aide, capitaine. Très bien, je t'abandonnerai pas mon dirigeable. Je resterai avec le narval jusqu'au bout. Et je m'occuperai des blessés. Je vais partir à la recherche de l'aide dans ce cas. Attendez, vous... Ah, je ne veux rien. Toujours vouloir jouer les héros. Des volontaires pour accompagner l'officier en second et nous trouver des secours. On va y aller. Très bien, vous, retrouvez-le et ramenez-nous de l'aide. Remuez-vous, nous sommes loin d'avoir atterri dans un endroit plaisant. Ah, ma chambre. Écoutez, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, nous sommes à Toukma, le pire endroit de tout l'archipel. 2 minutes. Oui, donc 2 minutes, Fifi est reparti. Et donc, voilà. J'essaye d'animer, je meuble. Faudrait que je m'inscrive chez Ikea pour meubler un peu mieux. Désolé, on a mis une petite interlude familiale. Tu peux me croire sur parole, je suis originaire d'ici. Si je ne m'abuse, nous devons être à l'extrémité orientale de Toukma. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. La nouvelle encore plus mauvaise, c'est qu'il y a qu'une ville à Toukma. Et qu'elle est souterraine et que je sais pas comment la rejoindre d'ici. Notre seul espoir, c'est de trouver un homme, un ermite appelé Naolin. C'est le seul type cinglé pour avoir envie de vivre sur cette terre désolée. Naolin est censé s'être installé du côté désolation d'Améthyste. Loin au nord, tu vas devoir traverser les ballins de corrompus. Mais les humains que tu croiseras en route ne seront pas des gens agréables. Seuls les bandits et des contrebandiers vivent là-bas. Fais de ton mieux pour les éviter. Fais bien attention dans les ballins corrompus. C'est un lieu où les lois n'existent pas. Et trouve Naolin, c'est notre seul espoir. Si tu as de quoi soigner vos tam-tam, revenez me voir et je m'occuperai d'eux. Maintenant, partez. Bonne chance. Ah, vous êtes de retour? Ah, pardon, je suis allé trop vite. C'est pas... Avant de repartir, laissez-moi soigner vos tam-tam. Ce sera pas de luxe. Hop, j'ai. Ah, enfin, on voit quelque chose. On a trouvé un OCRA. Un sticker. Ah non, moi j'ai eu Curie. T'as de la chance, toi. Oui, enfin, je rappelle, j'ai eu un double, moi, à un moment. Ouais, mais je te rappelle que même en ayant 20, j'ai pas pu avoir le... Bon, de toute façon, on peut pas y retourner avant ma main. Alors... Qu'est-ce? Ah oui, je l'avais même pas vu. Antidote. Ah oui, on arrive dans une zone où il va y avoir plein de temtem poison. Ouais. Et on se fait attaquer. Ah ah, de la chair fraîche. Vous êtes qui? Moi, je suis le nouveau propriétaire de ce dirigeable. Non. Un champignon. Je
Je crois que Drain Drain va pas être très utile ici du coup. Là, il faut soit du type vol, soit qu'est-ce qui est efficace contre les types poison? Je sais plus. Vol. Il n'y a que le vol qui est efficace contre le poison. Faut que je me repose, moi. Alors, comment dire? Je crois que t'es mort. Niveau 28 et pas évolué. Malédiction! Pour une fois que j'étais dans les premiers à trouver une épave! Bon, alors, équipe. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, alors rapidement. Tout va bien? Eh oui, je suis en train de refaire mes objets. Ah, ok. Voilà. Je vais peut-être essayer d'équiper mes temtem aussi, tiens. J'étais en train de voir qu'on avait pas mal de matos, donc. Quoi, what? Le tonique disait pour restaurer les PV et l'endurance du Temtem annule tous les états négatifs et lui inflige condamné pendant 4 tours. Comment ça marche du coup? Si c'est le dernier Temtem qui est actif, l'objet s'active du coup et ça lui restaure ses PV et son endurance. Ça annule D'accord. ses états négatifs, mais il a condamné pendant 4 tours. D'accord, faut que ça soit le dernier temtem, d'accord. Oui.
Armatol et dégâts de feu. Tu les dégâts reçus. Contre condamné, réduit. Ça serait bien qu'il y ait un truc genre les restes dans ce jeu. Faudrait qu'on le trouve. Oui. Je suis en train de réfléchir aux objets que je peux mettre aussi, mais sur mon NES là, du coup, j'ai rien à mettre. Et tout, ouais, lui par contre, je peux lui mettre. Je crois que le vin, il y a l'électricité qui est efficace contre. Attends, je vais regarder sur le. Ah, il n'y a que la foudre qui est efficace contre le vin. C'est ça, le vent ne craint que la foudre. Les temtems toxiques. Uniquement au vent. Là, c'est compliqué. Et bah du coup ça devrait être bon. Ok. Du coup on a des nouveaux temtems ici dans la main. Ouais je suppose, d'ailleurs je vais passer ma carte à jour et on est à Tukma. Si j'ai des bêtises. On est à Tukma. Et ici il y aura des Mushi, des Orphil et Blows. Ok. Tu veux l'attraper en premier? Je peux au moins te lui faire un. Trop tard. C'est-à-dire ouais, je... moi j'avais rien fait du coup en pensant que t'allais attaquer. Non, j'ai envie de tenter un truc en fait. Si je devais le capturer. Du coup, j'attends encore? Je vais essayer de voir pour le capturer juste avec ça. Non, j'ai pas eu. Ah, tu l'as aussi? Oui, j'ai mis le trèfle à 4 feuilles. Parce que du coup, je l'ai mis aussi sur mon tantal. Non, j'ai essayé de lui mettre une attaque qui résiste. Non, je l'ai pas eu. Et pourtant c'est des dumb cards plus que je suis en train d'utiliser. Bah là soigne-toi tranquille. Quoique il s'est blessé tout seul. Ouais ça devrait le faire. Et non. Tu veux que je lui remette une petite griffe? Tu peux. Et allez, un petit coup de griffe. Ouais. Ça veut pas. Non, lui il veut pas par contre. Oh le con. Ah bah yes. Bon bah demi-tour. Donc il y a un blob, un champignon et là c'est l'espèce de liane qu'on avait là. Ouais.
Mais des mouchis. Ils sont niveau 24. Oups. Hey, il est violent ton touwai. Je m'attendais pas à ce que ça aussi violent. Bon, je lui mets une deuxième griffe et tu le captures. Non, vas-y, vas-y, essaye toi de le capturer parce que bon. Au. Et attrapé. Mais il est vaillant. Empêche le Temtem R1T de se mettre. Ah d'accord, c'est encore ce talent là. En sachant que le blob il a que 10% de chance de pop. Cette fois, j'ai essayé d'éviter le one shot. Bah, je vais éviter d'attaquer alors. Je fais ça normalement. C'est divisé par deux. Voilà. Bon, déjà les champignons d'attraper. Résilient, tout était négatif. Sa durée réduite de 1 tour. Sympa. Ça va. Mais du coup, est-ce que un 1 devient un 0? Je vais one shot le champignon, je laisse attaquer le Orphil. Ok. Il est plein de poison si je dis pas de bêtises. Tu veux l'attraper? Je te laisse le prendre. Ok. Déchaînement. Les tam-tams sont peut-être mignons, mais lorsqu'ils déchaînent, ils vont infliger des dégâts à toute une équipe. Oh! Je l'ai attrapé. Ouf. Apothicaire. Après avoir utilisé une technique spéciale, le Temtem l'infligera empoisonné pendant un tour. Si sa cible est un rival ou convalescent pendant un tour. Si c'est un allié ou lui-même, j'ai pas compris. Ah, d'accord, si je crois pas compris. Si j'utilise une attaque spéciale, la cible est empoisonnée si c'est un ennemi et sera convalescent si c'est un allié ou lui-même. D'accord. Donc, par exemple, si j'utilise poison paralysant qui fait inflige 3 de poison et 2 de paralysie.
J'infligerai 4 de poison et 2 de paralysie à la place. Et inversement, si j'utilise un buff sur un allié, il condamnera convalescent pendant un tour. Mais je sais pas ce que c'est convalescent. À la moitié. Bon bah demi-tour. Ton piaf a mal. Un peu. Là, je vais te l'affaiblir. Ouais. Oh, piaf. Il est chiant. Il était très chiant. Et il était pas aussi chiant le mien à capturer. Mais j'ose pas l'attaquer parce qu'il va encore se suicider. Ah, tu l'as eu, GG. Eh ben, pas de cœur aussi. Et donc, il reste plus que Blose qui a 10% de chance. C'est bien que ça nous soigne tous les deux en même temps. Ouais. Petite vengeance. Ah oui, carrément. On avait dit petite vengeance. Ah oui, ce blob là, je m'en rappelle. Je te laisse il est complètement débilus. Je laisse commencer à l'attaquer, moi en attendant je vais une shot celui qui est à gauche. Ah ben... poison plante... Ah non, plante, ça y est, c'est pas faible à vol. Et alors, astuce, pourquoi il te cible tout le temps toi? Je suis type poison, du coup ils ne peuvent pas infliger le poison, du coup ils te focus. Je sais. Je fais l'attaque. Ah ben, j'ai évité de te le tuer alors. La vache, il tank. Ouais. Tu veux que je réessaye une attaque ou Je te laisse l'attraper. Ok. Ah bah attrapé.
Je me rappelle plus s'il a une forme évoluée ce truc. Persécuteur augmente de 30% les dégâts des techniques du Temtem s'il y a plus d'alliés que d'ennemis sur le champ de bataille. Ok, si on est à 2 contre 1, je fais plus mal. Et mon petit Blose, il a une évolution. Ah, j'ai hâte de voir sa forme finale au coin-coin. En vrai, je commence à bien aimer ce Temtem. Ah bah je vais commencer à affaiblir ton ton blob. La vache! Tu vas attaquer ou... Je... Non. Tu quoi? Tu non? Non, je vais pas attaquer. Oh toi, il est venimeux! C'est chiant ça. Dès qu'on va l'attaquer, il va mettre le poison partout. Eh ben lui, il est pas coopératif. Non. Et le pire, c'est que j'ose pas attaquer parce que... Ouais, du coup, si le Temtem est attaqué avec une technique physique, il infligera le poison pendant 2 tours. Et voilà, on a capturé tout ce qui pouvait être attrapé ici. Par contre, comment t'as fait pour changer tes Temtem? Comment ça? Bah tout... Ah non, tu avais tout voile sur toi depuis tout ce temps? Oui. D'accord. Mais j'ai... J'ai trouvé quand tu m'as proposé de le prendre pour aller à la grotte. Oui, parce qu'il me semblait qu'on pouvait le faire évoluer, mais en fait on n'a pas le kit d'escalade, je me suis trompé. C'est pas grave, mais du coup moi je l'ai gardé. Mais on l'a vu en premier, c'était pas avec à nous. Non, c'est mon épave. Ouais, c'est ça, si tu as vraiment l'intention de faire valoir ton droit au pillage, il va falloir te battre!
Pique Nidouille, vous êtes des andouilles. Oh! Calabis, toujours aussi résistant. Après, t'es à leur niveau, donc c'est normal que tu fasses moins de dégâts. Je te laisse attaquer le mien, je finis le tien. Ok. De toute façon, je te laisse pas le choix. Capi, c'est fini. Alors. Je vais prendre le seul truc que je sais qui est efficace contre ces machins. Alors tu Ça vas... s'appelle la grosse patate. Alors, ce qui est efficace contre le cristal, le feu, la pierre et le pugilat. C'est pour ça que j'ai pris grosse patate. Voilà. Ah, bah du coup... Bah du coup il suicide. Bonne journée. Et hey, yeah. Moi aussi mon lionceau évolue. Dans l'io adolescent. Nice. Ah mais je suis en train de voir ça. Ah, tu vas y rester, ce n'est qu'une question de temps. Au final, c'est nous qui ramasserons tout le butin. Oui, il faut que je sorte absolument toutes les voix de méchants des années 90, entre Nicky Larson, Ken le survivant. C'est clair. Il veut pas me laisser prendre. J'ai pris une boîte à côté. Comment c'est quoi? Bonjour, vous êtes un vieux. Étrangère sans masque, vous êtes particulièrement courageuse, soit particulièrement stupide, ou alors les deux. On a besoin d'aide. Oh, je sais. Mais tout le monde a besoin d'aide par ici. Espérez pas en trouver. Si vos intentions sont louables, vous pouvez toujours essayer d'aller voir Naoline. Un seul état, c'est bonjour. Et complètement cinglé le reste du temps. Mais bon, nous vivons dans le bas de l'art corrompu, alors. Merci. J'ai rien fait du tout. Il est cute. Derrière. Alors attends, est-ce que dans ces hautes herbes là, il y a quelque chose? Non, c'est les mêmes que tout à l'heure. Et dans les prochaines, il y aura il y a le Zerifruff à attraper. Un nouveau piaf. D'accord. Plutôt que les herbes, t'as choisi le combat. Parce qu'il y a des caisses en boîte. En bas. Ah oui. J'en tiens une. J'y crois pas. Ça a encore marché. Je crois que c'est une mauvaise idée que je reste. Attends, non, le poison ne craint pas le psy. Qu'est-ce que je raconte, moi?
Les deux seuls qui craignent le psy, c'est le neutre et le pugilat. J'ai trop l'habitude de Pokémon. Là, je te laisse attaquer ton clone. Lequel? Ah, c'est pas la même. Voilà, comme ça, tu vas y profiter de l'XP. Oh non, 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 on court, on se taille! Tu vas voir que les quatre boîtes sont vides. Pose stimulante. Ananas stimulant. Avocat stimulant. Rien que la boucle. Alors attends. Attends, avance pas, avance pas, avance pas. Oui. Voilà, j'ai eu le temps de me soigner. Parce qu'il y avait ça. Ah, je l'avais pas vu. Ah, je voyais ses cheveux, moi. Je te l'avais dit, ce truc fonctionne à chaque fois. Vite, pique-lui ses pinsoles et son pantalon. Spoiler, on n'en a pas. Non. Moi je porte une mini-jupe et toi je sais même plus c'est une. Ça s'appelle un sarong. Ah ça va. C'est très tenu de la plage. En vrai, dans cet environnement toxique, je serais morte en 2 minutes. Ou j'aurais chopé tous les cons un cancer de la peau imaginable. Une attaque de zone donc je te laisse Ok. attaquer Babong. Ok, tout juste, mais ça passe. Ok. Ok, t'as gagné, tu as gagné. Va-t'en maintenant. Allez, où c'est le gars qui récupère ses pinceaux? On le raquette. Sticker! Endommagé. Ah bah, chacun le sien. Ah oui, c'est le Temtem Griffon. Attends, il est poison vol ce truc? Apparemment. Ah ouais, poison vol. Et il a une Temtem évolution. Je vais faire une attaque de zone pour voir.
Ok, Quand bon, même, ça va pas compter du coup pour. mon attaque est pas très forte. J'en profite pour me soigner un coup. Ça n'a pas suffi. Alors, tu veux lequel? Celui qui a aérien ou celui qui a un talent qu'on connaît pas? Je pense à la droite. Ok, tu prends le talent qu'on connaît pas. C'est surtout qu'il est que niveau 25. Ok, Oui, je vise toujours ça. oh, ça alors, je l'ai attrapé. Salut. Et d'après ma jolie petite carte, ici on peut attraper les serpents ou des skunks. Que des trucs comme ça. Virulent, les dégâts infligés par les techniques toxiques bénéficient d'un bonus d'affinité de type. D'accord, tu as un double stab sur tes attaques poison. Attends, je dois vérifier un truc du coup, parce que moi, mon lion, qu'est-ce qu'il a? Il a furieux, augmente de 33% les dégâts infligés par les techniques du Temtem s'il lui reste moins de 33% de ses PV. Oh, c'est moins bien que ton truc. Bouge pas, je vais directement faire le soin. Cadeau. Comme ça maintenant je peux bouger, si jamais il y a un combat directement, bah, je serai téléporté. Ah, comme Voilà. là, par exemple. Les pensoles ou la vie? N'empêche là du coup j'imagine là seul mon personnage qui est en train de courir pour aller au combat. Attendez, j'arrive, j'arrive. C'est quoi ces gens qui ont des tantales? Là, je te laisse tuer ta terreau. Je vais pas faire cette grosse attaque. Pardon? Hein. Poison, poison, vol. Je sers à rien. Petit switch. Et très bizarre ce talent vengeur, je m'y attendais pas. Non, non plus. Ça veut dire que si t'es une équipe de 6, que tu ne le focus pas, il peut te défoncer. Parce que augmentation d'attaque et de vitesse, ça peut être très violent. J'admets. Ça ira pour cette fois, mais nous vous aurons à l'œil, étrangère.
Spring. Stylé. J'avoue. Hey, j'ai une super méthode pour retrouver des métaux précieux. Je balance les corps dans le réservoir de Xolotl et je récupère tout ce qui n'est pas dissous. Attends, tu vas voir, je vais te montrer. Psychopathe. Oh, ah, il est trop chou. Niveau 42. Et type eau poison, je dirais. Ah non. Il est poison et quelque chose qui résiste à l'eau. Une autre fois, peut-être. Qu'est-ce qui résiste à l'eau? Ah, il est haut du coup. Bah non, parce que sinon il aurait dû prendre dégâts normaux sur une attaque poison. Ah. Puisque eau craint poison. Et il résiste à la fois au poison et à l'eau. Et... Mais Warfang, tu follow... Bah bravo, ça follow même pas la chaîne de base. Non, du coup, hello Warfang, comment tu vas? Coucou Warfang. Il est... Ah non, il est toxique pur. Warfang, il n'utilise jamais Twitch, bah bravo. Oh, comment ça sinon? Ça doucement, quoi de beau? Et ben puisque tu ne sais pas utiliser Twitch, je vais te montrer un bouton assez indispensable. T'inquiète pas, ça il le connaît déjà. Je me l'étais sur le bouton pouf là. Ok, je veux. Eh ben bon voyage sur Star Citizen, essaye de pas cracher. Oh, je pense que c'est pas lui qui crache sur... Attends. Oui. Oh, t'as oublié de fouiller un endroit, il y a la petite zone en haut à gauche. Ah ouais, donc les temtem toxiques résistent à l'eau de base. On va dire ça au serveur. Ah mais moi je suis pas responsable des serveurs, hein. Ils nous promettent les serveurs merch depuis 2 ans, donc... Soit disant que ça révolutionnera tout. Là, j'ai vu qu'il y avait une montée. Et il y aura un combat. Oui. Et t'as gros de loin en plus. Très loin. Je dois être une disciple de ce maudit Naolin. Dis-lui bien qu'il est fichu. Nous sommes les véritables maîtres des Badlands. Lolali lolala. Tu vas attaquer lequel? Je te laisse t'amuser avec Rekan vu que tu peux le one-shot. Pas sûr que je le one-shot. Il est niveau 26. Moi, je, dans tous les cas, je suis obligé de switch. Car dans tous les cas, je prends cher. Ah bah si, je one-shot. Je t'ai dit, il est niveau 26. Pic pic.
Oh. Oh, ouragan. Ça, c'est nouveau. Allez. Bon, bah, je te laisse le pic-pic, hein. Tiens, je croyais qu'il était normal. Non, il est vol. Je vais terminer le pic-pic, je vais me faire un one-shot Ocus. Focus, focus, focus. Ah, je pensais que ça l'aurait tué. Couché. Notre jour viendra. Avec des temtem même pas niveau 30. Oui. Oh, je me fais agresser. On n'aime pas Oh beaucoup non, les je... témoins. Ouais, bah, aidez vrai Temtem avant de dire ça. Numéro 42. Et il va juste mourir. Il va prendre un peu de temps avant de mourir. Non mais là tu vas voir, tu vas ramener Tental, tu vas le one shot. Ah, pas totalement sûr, hein. On a que 6 niveaux de différence, hein. Pas 10. Hein. On Tu disais? a que ces niveaux. Et on n'aime pas beaucoup les survivants. Alors par contre, de la demi-sens. Voilà. Sticker. Oh. Je vous rappelle qu'on avait galéré pour traverser cette zone. Ouais, parce qu'on a quasi pas de soins durant tout le chemin. C'est est-ce qu'on va avoir un objet en bas? On n'en a pas. Mais normalement, on a un combat du coup, au moins. En vrai, Oui. je vais utiliser une fiole de pâte émessence, enfin de pâte M, et je vais retourner là où il y a le soin au pire. Et toi, tu me bougeras après une fois qu'on aura soigné. Comme ça, tu me retéléporteras. Et comme tu veux. Alors, merci, je vais avoir accès à mon sac.
La fragrance. À la limite, toi, en attendant, tu peux au moins essayer de te rapprocher d'un combat. Ouais, Je bon. suis déjà en place. Ah, je vais pas en utiliser maintenant. Voilà. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon, c'est bon. Mais où est passé ce mot herburien? Hé, hey, on se réveille, en voilà une autre. Je te laisse le pacou-pacou. S'il te plaît. Ah, non. Puisqu'il est vol. Ah, mais du coup, oui, je peux utiliser la boule puante. Ah oui? Je sens que j'ai bientôt évolué, mais je ne sais pas exact quel niveau exact coin va évoluer. Oh, résistant. Alors. Pac, 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 pac. Je te maudis, étrangère! Sois maudit, étrangère! Ça, tu l'as déjà dit. Tu as parlé d'un arburien. Ouais, un gros costaud qui fumait la pipe. Il avait l'air pressé et il n'a pas voulu partager ses pansoles avec mes frères. Par où est-il parti? Vers l'ouest, en direction du réservoir de Xolotl. Va donc le retrouver, vous n'aurez qu'à fondre ensemble dans l'acide, pour ce que j'en ai à faire. Gentil. Toujours aimable. Je crois, je crois qu'ils me vont bien. Ah bah elle veut vraiment notre pantalon. Je crois. Oula. Excuse-moi, mais ça va être un petit swish. Et j'ai envie de le tester, tiens. Mouton, en avant! Heureusement que j'ai pris un paratonnerre, hein. Salut. Très joli. Pour moi aussi, pour toi aussi, c'était dédoublé pendant un instant. De quoi? Le Spratzy. J'ai pas fait gaffe. Eh ben, garde-les, tes pauvres fripes. Bon, par contre, je veux bien tes chaussures. Sticker. En bon état. Oh, Clora. Zénorette.
C'est juste une... C'est juste une particule. Une fouisseuse des mines en maraude. Fouineuse des mines en maraude. Que faites-vous donc à la surface? Vous devriez rentrer à Quetzal avec les autres fouineuses des mines. Ce n'est pas un endroit pour vous. On n'aime pas trop les gens comme vous par ici. Et tu me menaces avec un champignon, d'accord. Non mais je note, hein, je note. Mais pas ça code quand même le champignon. Non? Laisse mon piaf tranquille. Niveau 50, ça ne veut rien dire, ça reste un champignon. Misérable fouisseuse des mines! Sticker. Endommagé. Dommage. Il est joli cet arbre. Du coup, pas de temtem dans cette zone? Carte du monde. Du coup, on a passé ça, on a passé ça, on est là. Il y a des. Attends. On est dans ce labyrinthe là. Il y a des blows et des mouchis. Donc, de trouver le point déjà. Stickers. Endommagé. Alors, je crois pas que ce soit une couleur de peau normale. Hé, hey, comment ça se fait que t'as ton surf? Non, c'est juste un bug. Moi aussi, je l'ai eu avec ton surf pendant quelques instants quand t'étais au bord. Eh, mais alors, retourne sur nos pas. Ah oui, mais non, on s'est trompé de chemin. Ouais, fallait aller en haut. Ah oui, non, d'accord, faut quand même prendre le chemin en haut. Alors, toi. Plus là. Mais t'es là, t'es plus là. Tu as déjà assez dormi? Eh, minute, vous n'êtes pas. Vous voulez me dégager, fouisseuse des mines. Apprêtez-moi. Oh, je suis trop crevé pour ça, puis bon, à quoi bon combattre? Cet endroit aura assez tôt raison de vous. J'aurais qu'à me servir sur vos cadavres. Gardez distance, hein. Commencez par garder les vôtres. Mais que vois-je? Naolin nous aurait-il envoyé une petite espionne? Tu pourras dire à ce vieux cinglé que ses jours sont comptés? Non, attends, je te donne un avant-goût de ce qu'il attend.
Capir, c'est fini. Tu voudras faire comme la dernière fois et arrêter dans pas trop longtemps? Je pense. Que je vais devoir aller chercher rapidement un truc à manger pour le boulot parce que hier, on va dire que quand il me restait que 1 heure de taf, quand t'as le ventre vide à la fin, c'est compliqué. Eh oui, il faut bien manger. Tu ne perds rien pour attendre. Bientôt nous reviendrons en force. Tiger! Pardon. Non, il te faut un sneakers. Et que voient donc mes yeux fatigués? Une jeune fille qui vient rendre visite au vieux Naolin. Approchez, approchez. Viens donc me tenir un peu compagnie. Il me semble que le chemin était long pour arriver jusqu'ici. Des voyageuses et pas des trousseurs. Voilà qui change de l'ordinaire. Êtes-vous Naolin? Naolin, voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis bien longtemps. Des amis à moi sont blessés. Une chose à la fois, jeune dresseuse. Mes ressources sont bien trop limitées pour que je puisse vous aider directement. Et ma tâche ici est trop importante pour que je quitte cet endroit. Je vais cependant vous venir en aide et vous conseiller avant de vous congédier. Et en quoi consisterait votre tâche? Une tâche de longue haleine et de nature confidentielle. Pour commencer, laissez-moi jeter un coup d'œil à votre thème. Comme je m'en doutais un peu, il aurait bien besoin d'un peu de thème essence. À présent, écoutez-moi attentivement. Vous ne pourrez réparer votre dirigeable qu'avec l'aide de la guilde des forgerons de Toukma. Elle se trouve à Quetzal, très loin à l'ouest, vers l'ouest. Quetzal est une grande cité souterraine, bâtie au cœur même de cette île. Vous y trouverez également une aide médicale, car les Toukma sont bons et généreux. Et comment pouvons-nous nous rendre à Quetzal? L'entrée de Quetzal se trouve à l'ouest d'ici, de l'autre côté du réservoir Xolot. N'allez surtout pas boire ou toucher ces eaux toxiques. Ce lac est rempli de poisons aussi corrosifs que de l'acide. En chemin, vous croiserez probablement une scientifique nommée Sugei. Elle est probablement en mesure de vous apporter son aide. Ce périple ne sera pas facile, et vous aurez déjà inhalé beaucoup de fumée toxique. Tenez, prenez mon masque respiratoire de rechange. Vous en aurez besoin. Merci. Vous me remercierez lorsque cette épreuve sera derrière vous, jeune dresseuse. Bonne chance, vous deux. Ah oui, on n'a plus de patins. Ouais. Y'a plein de boîtes en plus. Oui, nulle part.
encore un de ces drôles de puits. Il aura une pièce porte-bonheur. C'est cœur. Ah oui. Bien vu l'aveugle. Ah, laisse-moi voir du coup. On a traversé ça, on est allé là. Touk 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 touk. Va commencer à y avoir des axolotes toxiques. Ok. Ah, agression. Attendez, attendez, accordez-moi une minute de votre temps, aimable indigène. Je vais étudier votre habileté avec les tam-tams. Je suis persuadé que vos techniques doivent être assez pittoresques. Mais je suis pas une indigène. Lolalilo, lala. Ayo. Eh ben il met des patates ce singe. Ouais. Vas-y, fous le feu. Bon, après, il a 10 niveaux de plus. Diantre, ces indigènes sont étonnamment efficaces avec les techniques modernes de combat de Temtem. C'est elle, la rescapée de l'épave. Elle se sortira pas si facilement cette fois. J'attaque le mastion. Quand je vois un scan sur un Tantal, je sais pas pourquoi j'ai toujours le réflexe de switch. C'est bizarre. Des réflexes qui se sont mis en place. Eh ben on va sortir Rez maintenant. Eh ben ça sera un double lion. Juste.
La naufragée était plus forte qu'elle en avait l'air. C'est cœur. Je vais one shot leur fil. D'accord. Tu veux l'attraper toi d'abord ou Pourquoi pas? Ok. Non, je l'ai pas eu. Là, ça ira beaucoup mieux. Toujours pas. Arbeit. Du coup, on va aller prendre le sticker et moi je devrais y aller. D'accord. Ça y est, j'ai eu. Le Vinchard, c'est le Tentamimi KO. Son attaque perd l'équivalent de 10% des PV max et devient empoisonné pendant 3 tours. Oh. Oh ouais! Qui est endommagé. Coup de fiole. Comment ça, deux fioles? Oui, un coup de fiole de Temesas. Alors, on aurait pu juste retourner au vieux. Aussi. Du coup, rapidement, chaîne. Je vais mettre un fan live. Je vais rechercher rapidement. Bah tiens. Je crois qu'il y a Lucie qui vient juste de lancer son live. Ouais, Lucie a lancé son live il y a même pas 5 minutes. Du coup, on va lui faire un petit raid. Donc bah du coup, bah merci d'avoir suivi le live. Enfin, forcément les lives vont être plutôt courts, mais bon bah. C'est le boulot, tout ça. Donc, je vais vous souhaiter bon appétit pour ceux qui iront manger, bon après-midi pour les autres. Et puis, bah, à demain pour le prochain live de son. Bon appétit et bonne fin de journée à tout le monde. Et Bye bah, bye, bisous bisous. du coup, vu que c'est calme, pas spécialement besoin de faire une phrase de raid. Et du coup, bye bye. Je vais être dessus, ça voilà, ça me débloque ça. Et après, il y a 60 nouvelles missions.